Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Mac de la télé-réalité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro inédit et spécial consacré à la nouvelle saison des Anges de la télé-réalité sur NRJ12, bien évidemment. Alors, c'est parti, jingle. Alors que la saison 9 s'est terminée en baisse niveau audience, la chaîne est en pleine préparation et a même terminé la préparation d'une saison anniversaire, la saison 10. En effet, selon plusieurs autres sources, voici les candidats qui auraient signé pour le programme, voici donc tous les noms. Il y aurait donc Manon Van des Marseillais, Jordan de Secret Story 11, Eddie des Anges, Tristan de Ninja Warrior, Flo de Marié au premier regard, Amélie Nethen des Anges, de Claire de 10 couples parfaits, de Charles de Friendstrip et de Secret Story 11, de Maddy de La Villa des Deux et des Marseillais vs le reste du monde, de Thomas des Anges 9 et des Vacances des Anges, Barbara Hopsomer de Secret Story 11, Adrien des Princes de l'Amour, Jaja des Vacances des Anges 2, Sarah Lopez des Vacances des Anges et des Anges, Vincent Quejo des Vacances des Anges et des Anges, et Rémi de La Villa des Cœurs Brisés 3. Ce casting est parti en tournage ce week-end, destination Los Angeles pour une nouvelle fois, mais ça on en reparle dans quelques instants. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ce casting n'a pas fait l'unanimité, il y a même plutôt des plus, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce casting qui est, ça y est, normalement en définitif. Je viens donc de vous récapituler une partie du casting de la saison 10 des Anges. Plusieurs candidats ont annulé leur contrat, apparemment selon certaines sources. En effet, selon plusieurs sources, Jessie et Valentin des Marseillais auraient annulé leur contrat au dernier moment. Souvenez-vous, il y a quelques mois, ils avaient déjà fait ceci à quelques jours de partir pour Friendstrip 4. Astrid Nelsia, qui était également annoncée au casting depuis plusieurs jours, avait bel et bien signé son contrat. Mais elle a décidé de l'annuler elle aussi. Cette fois, la jeune femme l'a confirmé cette information sur son compte Snapchat il y a quelques heures. Et enfin, Claire de l'émission 10 couples parfaits devait elle aussi participer au programme phare d'NRJ12, mais elle a quant à elle annoncé sur son compte Twitter qu'elle ne participerait pas et qu'elle n'était au courant de rien, après que des internautes lui aient demandé à quelle heure elle prenait son avion en direction Los Angeles pour le tournage. Mais je voulais quand même annoncer dans la liste il y a quelques instants comme candidate, puisque ceci pourrait être un moyen de faire diversion, donc on verra à la diffusion si elle est bel et bien présente dans cette 10e saison des Anges. Le tournage a, comme je vous l'ai déjà annoncé, a débuté il y a quelques heures à Los Angeles, où les Anges vont retourner, puisqu'ils y sont déjà été en saison 3, où il y avait notamment eu Kevin et beaucoup d'autres candidats, Caroline Receveur, bref. Donc ils vont retourner comme la saison dernière lors des Anges 9, puisqu'ils avaient déjà été dans la ville de l'an dernier à Miami. Donc c'est un nouveau flashback pour les Anges. Que pensez-vous de cette émission de télé-réalité? Que pensez-vous de cette annulation de dernière minute? Dites-nous tout ça dans les commentaires et du casting complet, hein, ça y est, que je vous ai annoncé. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, ce que vous pensez de cette nouvelle saison qui s'annonce. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et même à vous abonner. Et nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, un nouveau JT de la télé. Alors, à très bientôt sur la chaîne. À très vite. Ciao !